Eh bien, salut à tous, c'est Tan. Aujourd'hui, les gars, nouvelle vidéo. Une vidéo peut-être que vous n'attendez pas. Je vous l'avais promis. Novembre et décembre, ça va être que des vidéos pépites. Et cette vidéo-là, les gars, c'est le commencement déjà. Une série de 3 vidéos normalement. La vidéo du départ en vacances. Parce que oui, les gars, je pars en vacances en Guadeloupe. Du coup, cette vidéo-là, c'est le départ. Il y aura une deuxième vidéo où, genre, je vais visiter la villa. Je vais vous montrer un peu la Guadeloupe dans son ensemble. Et une troisième vidéo où, en gros, ça sera le best-of de mes 2 semaines. Parce que je pars 2 semaines en vacances. Donc, dans 2 semaines, du coup, voilà, il y aura un best-of de mes 2 semaines en vacances. Enfin bref, du coup, là, je suis totalement en train de faire ma valise parce qu'on est mercredi et on part demain, donc jeudi matin. Donc là, je suis en train de faire ma valise. Comme vous voyez, c'est vraiment le bordel. Vous voyez, j'ai pris des masques de plongée, ça va être cool. J'ai pris quand même des trucs de vidéo, les gars, GoPro et tout, après pas mal de vêtements. Et je vais devoir mettre tout ça dans la valise et ça sera carré, mec. Du coup, on va faire un truc un peu plus simple, c'est la magie, quoi, en fait. Hop! Et voilà les gars, la valise est clairement terminée. Bon, en vrai les gars, c'est quand même plus rapide et beaucoup plus efficace de faire comme ça. Juste en un claquement de doigts les gars, je suis Joséphine Angérien en fait, clairement. Du coup les gars, voilà, j'ai fini ma valise. Bon après, il va peut-être me manquer 2-3 petits trucs. Et dans tous les cas, j'ai le droit de prendre un sac avec moi dans l'avion. Donc au pire, je mettrai ça dans mon sac. Du coup les gars, on se dit à demain matin. Parce que faut que je me lève à 5h du mat pour être à la gare à 6h. Après direction l'aéroport. Et après de l'aéroport à la Guadeloupe. Ça va être très long et très dur de se lever à 5h, mais c'est pas grave, t'inquiète mec, on est ensemble carrément. Enfin bref, assez blablaté, à demain matin. Allez go, c'est parti les gars, 5h du mat, on embarque, let's go. Let's go. Oh, il y a du monde. Hein. On a décollé. Encore. Et c'est parti. On est carrément enfin arrivé, mec. Il fait 29 degrés, c'est bon pour vous? À l'ombre, hein. À l'ombre les gars en plus. Il fait beaucoup trop chaud. Ok les gars, bon, on est enfin arrivé à la maison. Au récap, en gros, en Guadeloupe, en ce moment, il y a plein de grèves. Du coup, on a eu 2 heures d'attente de bouchon en fait. Donc ça a été très compliqué. Là, il est actuellement 20h30, 21h déjà en Guadeloupe. Donc en France, il doit être déjà plus d'une heure du mat. Donc yes, beaucoup de bouchons, donc très compliqué. On a été au Leclerc vite fait et après on est directement passé ici à la villa. Donc là il fait nuit, je vais pas pouvoir vous faire visiter un peu la maison. Je vous ferai une vidéo du coup dimanche prochain un peu, vous montrer un peu les alentours plus la villa. Vous voyez de toute façon déjà rien que la piscine derrière, c'est déjà carré. Mais voilà, en vrai c'est pas mal, il fait super chaud. Je pense que vous entendez le bruit derrière, c'est un bruit qu'il y a toujours en Guadeloupe, c'est genre des grillon, je sais pas quoi, enfin bref, qui couine toute la journée en fait, vraiment, et même toute la nuit, donc yes. Et pour ceux qui savent pas aussi, je suis déjà venu une fois en Guadeloupe il y a 3 ans, et là du coup je viens de retourner, mais par contre là, les grèves et tout, mec, c'est n'importe quoi, genre, c'est what the fuck, genre, il y a plein de voitures cramées, c'est n'importe quoi, genre, vraiment, 2 heures de bouchon pour, 10 km. C'est super cool. C'est pire qu'à Paris, tu sais. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une petite vidéo simple. On revient dimanche prochain avec du coup la vidéo, en gros, la villa. Et dans 2 semaines, un best-of un peu, je vais essayer de vous filmer des petits trucs sympatoches que j'ai fait en Guadeloupe. Et comme ça, je vous fais une grosse vidéo pour dimanche dans 2 semaines. Donc soyez présents dans 2 semaines parce que ça va être une vidéo, je pense, vraiment carré. Enfin bref, moi je vous dis à dimanche prochain, 14h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas les gars à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. C'était Tan, ciao ciao.